Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un chargeur booster, le CB1225BT de Energy Mobile. C'est un chargeur booster qui remplace les coupleurs séparateurs. Il est livré avec une notice, avec des cosses de raccordement. Au niveau des cosses de raccordement, on a le plus et le moins pour raccorder la batterie auxiliaire, le plus et moins pour raccorder la batterie moteur. On a une application avec le Bluetooth pour avoir l'état de charge sur notre téléphone. Et ensuite, on a à configurer au départ, une seule fois, le type de batterie que l'on a, puisqu'en fait le chargeur aura des courbes de charge différentes en fonction du type de batterie que l'on utilise. Voilà, je vais vous montrer maintenant le montage. Alors là on voit la connexion au niveau de la batterie moteur. J'ai connecté un moins et un plus toujours avec le fusible pour protéger. Et là en fait j'ai passé les deux câbles dans une gaine pour rejoindre le chargeur booster qui se trouve à l'intérieur. Alors voilà, j'ai connecté mes deux batteries. Avec ce bouton, je peux sélectionner le type de batterie. Moi j'ai une AGM, donc je me mets sur AGM et j'appuie 5 secondes. La batterie AGM est sélectionnée. Et là on voit que la LED clignote lentement sur OP batterie. Et OP batterie, voilà, clignotement lent. On voit qu'on est en absorption. Une fois le chargeur booster installé, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Magnet Charger Monitor. Une fois connecté au niveau de la Wi-Fi, alors là, il est en train de se connecter par Bluetooth, côté intensité qui est à 0, puisqu'en fait, il n'y a aucune charge à l'heure actuelle. C'est un chargeur qui, au final, est très utile, puisqu'il permet de recharger rapidement les batteries auxiliaires avec la batterie moteur lorsqu'on roule, et bien sûr, il est compatible Euro 6, le nouveau véhicule. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci, au revoir.